départ une demande de la CUB qui a demandé une saisine en fait à la C2D, donc au Conseil de développement durable. Le groupe qui a été constitué, qui s'est constitué volontairement puisque ce ne sont que des gens qui étaient intéressés par ce thème, s'est orienté assez rapidement vers davantage une ville plus intériorisée en fait. Intégrer cette dimension imaginaire de la ville permet véritablement de bien comprendre quelle est la ville à bâtir, ses problèmes de circulation aussi, de fonctionnement des différentes communes entre elles. Tous ces éléments-là sont interférés dans l'analyse. On a rencontré des maraîchers, on a rencontré des gens de différents horizons, des élus qui ont permis de mieux faire comprendre leur façon d'appréhender leur commune, de la raconter, de nous la faire partager du point de vue de l'élu. Et puis est venue l'idée pour le groupe de faire des portraits de différentes personnes de la CUB pour voir mieux comment la CUB était comprise, était vécue même. Et on est arrivé à cette idée de ville intérieure. Bordeaux a cette particularité, à mon sens, par rapport à d'autres villes, de ne pas être un centre culturel, véritablement, donc un centre de territoire, mais être plutôt un carrefour de territoire, puisqu'elle a déjà tous ces ingrédients-là nécessaires à cette construction européenne, qui est d'être cosmopolite, presque dans l'essence. C'est pour moi un guet, une zone de franchissement, qui crée un obstacle dans les circulations, et qui va créer une espèce de rétention de population qui, au départ, façonne cette origine bordelaise. Et on est arrivé à cette idée, eh bien, que est-ce qu'il fallait le voir comme effectivement une identité d'agglomération, qui est la réalité, on va dire, administrative d'aujourd'hui, à une autre idée peut-être qui était donc l'agglomération d'identité.